c'est un supporter voilà, qui croit jusqu'au bout et surtout voilà, qui vient avec une grande énergie positive. C'est que quand il vient au stade, il sait qu'il va nous encourager derrière nous quand on va avoir des moments difficiles. Qu'on le ressente, quoi. Qu'on ressente qu'il soit à chaque fois derrière nous, à chaque passage, à chaque tacle, qu'on le sente derrière nous et surtout voilà, qu'on peut compter sur lui. Et après, nous, sur le terrain, on lui fera plaisir en donnant le meilleur de soi-même, en respectant ce maillot. Oui, ça me parle. Ça me parle parce qu'ils font la différence. Pour moi, ce serait difficile de jouer des matchs sans supporters. Ils sont vraiment très importants. Et c'est pour ça qu'à la fin des matchs, ça fait déjà avant le match, de venir les saluer, ça fait plaisir. Et surtout à la fin du match, on va souvent aussi les remercier. Le plus bel exemple, c'est contre l'Ukraine, le retour. C'était fantastique, quoi. On arrive avec le bus, tu vois déjà tous les drapeaux, les gens qui crient. Moi, rien qu'en arrivant au stade, je savais déjà qu'on allait faire l'exploit. Et ça, je le ressentais parce qu'il y avait une énergie tellement positive. Des gens, des supporters, c'était magnifique. Et voilà, je passe même pour les remercier parce que contre l'Ukraine, voilà, c'est vrai que ça fait déjà longtemps, mais ça restera inoubliable pour moi dans ma carrière en bleu. Oh les gars, je compte sur vous, je sais que vous allez être présents, je sais que vous n'allez pas nous décevoir et on ne va pas vous décevoir. Et vous allez vraiment être fiers de nous. Mais s'il vous plaît, il faut y croire jusqu'au bout. Même si on est mené 1-0, 2-0, jusqu'au bout, on ne lâchera rien pour vous.